Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Tant qu'à Radégone. Comme chaque lundi et même après une défaite, il est présent sur ce plateau. C'est notre consultant de choc, Nicolas Puy-de-Bois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. Présent même après une défaite. Ouais, toujours, obligé. Même si tu as mal à la tête. Ouais, comme de nombreux supporters de l'Olympique Lyonnais. Un peu de la gueule de bois sans avoir rien vu. On accueille d'ailleurs un fervent supporter de l'Olympique Lyonnais, c'est Bruno Bernard. Bonsoir. Bonsoir Razik. Président de la métropole de Lyon. Et merci pour l'accueil. Avec grand plaisir, parce que vous êtes vraiment un fervent supporter de l'Olympique Lyonnais. Même dans les temps durs. Même dans les temps durs. On aura l'occasion tout à l'heure, justement, lors du dernier thème, d'évoquer votre passion pour le ballon rond, pour le sport en général, et pour l'OL. Nico Puy-de-Bois, on enchaîne ? Bien sûr. Avec le premier thème ? Allez. Allez, place au premier thème de TKYDG. Et vous le savez, comme chaque lundi, on est en direct sur toutes les plateformes, sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, vraiment dans le monde entier d'ailleurs, hein, pas mal de supporters lyonnais qui nous regardent, et on salue Space qui nous passe un petit bonjour. Et comme tous les lundis, vous avez la parole, hashtag TKYDG. La gueule de bois, Nico Puy-de-Bois, après cette défaite de l'OL contre Marseille. Ouais, parce que l'OL, en fait, on a vu un bon match de football hier, avec pas mal d'intensité, de la vitesse, de l'engagement dans les duels. L'OL était revenu dans ce match. Et malheureusement, on n'a pas su gérer le money time, la fin de la première mi-temps et la fin du match. Donc voilà, encore un peu de maturité à aller glaner auprès des joueurs expérimentés de ce groupe-là. Mais je pense que c'est quand même une défaite assez logique de l'OL. Bruno, est-ce que tu es d'accord avec Nico ? Pour toi, c'est une défaite logique ? Oui, il n'y avait pas photo. On a eu un très bon gardien. On aurait pu espérer le match nul, surtout vu le but de casquette ridicule qu'on prend. Oui. Mais sur l'ensemble du match, la victoire de Marseille est malheureusement assez nettement méritée. Et j'ajouterais quand même dans les points positifs, en plus d'un match agréable, un public parfait, 57 000 personnes, une super ambiance, aucun débordement par rapport à ce qu'on avait connu l'année passée. C'était quand même aussi un point positif de la soirée, malgré la très grosse déception de cette défaite assez rare contre Marseille à domicile. Et puis un hommage pour Monsieur Paul. Oui, très beau tifo, mise en valeur d'un personnage exceptionnel de la culture lyonnaise. Donc voilà, il y avait une bonne ambiance et un bel hommage. Est-ce qu'on peut dire que justement ce deuxième but marseillais, finalement c'est à l'image de la saison réalisée par l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est à l'image de la saison ? Je ne sais pas si c'est à l'image de la saison, mais c'est quand même assez rare de marquer un but alors que les trois derniers qui touchent le ballon, c'est tes adversaires. C'est trois adversaires qui marquent, enfin c'est trois Lyonnais qui touchent le ballon pour un but marseillais. Ouais, c'est quand même assez bizarre, particulier. C'est un but gag, hein, Bruno ? C'est vraiment le but gag, casquette, qu'on aurait aimé marquer à Saint-Etienne à la dernière seconde dans le derby. Exactement. Voilà. Ouais, effectivement. On est d'accord. Il y a Artus qui nous dit sur Twitch justement, qui dit il n'est pas d'accord avec Bruno, il dit un public parfait à part les imbéciles qui ont incité Lopez. C'est vrai que c'est surprenant ça. Ouais, on a vu sur les réseaux, alors après on ne l'a pas vu dans le direct, mais oui, on a vu Anto se prendre la tête avec un ou deux supporters. On a vu des débordements aussi après en coulisses sur la coursive. Donc parfait pendant le match. Et après le match, la déception prend le pas sur le côté passion, malheureusement. Et de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Et surprenant pour Anto Lopez, parce que franchement, il a réalisé un bon match. C'est de très loin le meilleur joueur de l'OL, ce qui démontre d'ailleurs qu'on ne méritait pas forcément beaucoup plus. Et il fait quelques arrêts extraordinaires, notamment le ballon qui dévie sur la barre transversale. Oui. Il est pas facile. Non, quand ton gardien, c'est ton meilleur joueur et depuis plusieurs matchs, c'est quand même qu'il y a quand même une carence quelque part en termes de production de football. Anto, il est vraiment exceptionnel sur les dernières sorties. On a l'habitude de l'avoir très performant, mais sur le match d'hier, il méritait pas de perdre ce match-là et surtout de prendre un but de cette manière-là après le nombre d'arrêts fabuleux qu'il a pu faire. Ouais. On a parlé du deuxième but, mais il y a aussi Bud qui nous dit, hashtag TKYDG, qui nous dit le premier but est à l'image de l'équipe, un manque criant d'agressivité, de combativité, Lovren qui trottine et ne donne pas tout. C'est vrai que Lovren a été décevant, hein, clairement, pour ce match contre Marseille. Hein. Bruno, Bruno. Non, honnêtement, c'était pas le pire. Le premier but, d'abord, il y a une passe perdue de Diomandé qui n'est pas tout à fait à l'aise côté droit pour attaquer, enfin qui n'est pas du tout à sa place pour attaquer, qui a un vrai problème tactique qu'on a eu hier. Et donc après, une balle en profondeur, oui, ça dure un peu, mais c'est surtout que Lopez arrête le ballon et qu'ensuite, voilà, c'est pas revenu. Donc peut-être que Lorraine est coupable un peu sur ce coup-là, mais Lorraine, il fait plutôt une bonne saison depuis qu'il est là. Ah il non, a stabilisé la défense. Donc,
Bon, c'est peut-être pas le plus à blâmer hier. Et c'est là, dans la gestion des émotions, dans la gestion des événements, il y a des moments dans le match où on se doit de faire des passes un peu plus sûres, être un peu plus sécuritaire dans sa manière de jouer. Diomandé veut, dans l'élan de sa jeunesse, mettre un ballon en profondeur à Alexandre Lacazette. Mm-hmm. Ils se comprennent pas très bien. Diomandé attendait peut-être que Lacazette vienne demander pied alors qu'il la demande plutôt en profondeur. Bref, le Marseillais intercepte, et là on n'est pas équilibré derrière. Anto fait un très bel arrêt encore, mais effectivement, on ne revient pas. Tagliafico sur le côté, ou même Deran Lovren ne font pas l'effort nécessaire pour venir défendre. Et c'est là où il y a plusieurs manques, alors qu'en jouant la sécurité, un ballon derrière, on rentre à la mi-temps à 0-0, et c'est vraiment pas le même match. D'où gagner en maturité, en expérience, pour gérer ces moments qui sont le plus important. Qui sont le début, l'entame de match et la fin d'une mi-temps. C'est des moments qui sont primordiaux dans un match. Forcément beaucoup de déceptions dans les rangs lyonnais, des supporters de l'Olympique lyonnais, notamment Jérémy. Salut, avec cette équipe, c'est tout ou rien. Et malheureusement, c'est souvent rien. Bon, je le trouve un peu dur dans souvent rien pour le match d'hier, parce que malgré tout, même si on ne mérite pas, on a quand même fait valoir certaines valeurs d'abnégation, d'envie. J'ai trouvé qu'en termes d'intensité, on avait répondu quand même dans l'engagement. On sait que Marseille, il y a une grosse débauche d'énergie, il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de courses. C'est difficile Enfin, l'OL est à sa place, quoi. On a vu hier. En termes de classement, l'OL est à sa place. Oui. Oui, et ça va quand même beaucoup mieux depuis deux mois. Enfin, on sort de trois victoires, des matchs qui n'étaient pas faciles. On gagne à Paris, contre Rennes, on gagne à la maison. C'était très difficile et on aurait pu perdre 3-0 à la mi-temps, mais autre qu'on gagne. À Toulouse, on fait un bon match et ça tourne dans le bon sens. Donc, sur la série, ça reste quand même positif. Et si on avait joué les matchs retour, les matchs aller comme les matchs retour, on serait sur le podium. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Il y a du mieux. Où on peut rejoindre notre internaute, c'est que dans les moments importants cette année, Nantes, pour se qualifier en finale de la Coupe de France, est là pour essayer de recoller au classement et peut-être accrocher cette Coupe d'Europe. Mm-hmm. Et ben on n'arrive pas à faire la différence et à gagner ces matchs-là, donc c'est très dommage. Gilo, ce match montre juste le niveau de cet effectif cette saison. On n'est pas capable de rivaliser, tout simplement, on se voit toujours trop beau. Voilà un peu le son de cloche de notre fidèle téléspectateur. On regarde le 11 de départ, concocté par Laurent Blanc, justement, pour ce choc contre l'Olympique de Marseille. Nico, un peu ton regard par rapport à ce 11 de départ. Ouais, un système hybride, hein. Oui, un système hybride, parce que ça, c'est quand on attaquait, quand on défendait, voilà. On était plutôt peut-être à 5. Voilà, passant de 4 avec la balle, après, à 5, c'est derrière 100. Encore une fois, c'est l'animation qui fait la différence. C'est les courses des joueurs, c'est les déplacements les uns par rapport aux autres. Mais effectivement, Diomandé n'est pas à sa place, latéral droit. Bruno l'a très bien souligné. on a un milieu de terrain qui, quand dans ton milieu de terrain, le meilleur joueur c'est Thiago Mendes et qu'il n'a pas joué depuis quelques matchs, voilà, ça pose quand même question. En plus, meilleur joueur qui a été moyen en plus. Alors. Oui, voilà, meilleur joueur du milieu de terrain moyen. Le moins mauvais, comme on dit. Tu peux quand même te poser quelques questions. Rayan Cherki qui n'a pas répondu présent dans ce match-là. Barcola qui fait quelques fulgurances, mais dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste, est brouillon. Donc du coup, ça ne permet pas de faire une occasion ou de se procurer des occasions. Donc ouais, il y a trop de manque aujourd'hui dans cette équipe pour pouvoir prétendre à mieux. Et par rapport au coaching opéré par Laurent Blanc durant la rencontre. Alors d'abord sur la composition. Allez, quand bon même. Bon bah oui, quand même. Bien sûr. Voilà, on avait. Je pense qu'il avait tout dit, c'est pour ça. Non, mais on avait quand même peu de choix parce que Kumbedi étant suspendu. En vérité, en défense, il n'y avait pas tellement de choix pour démarrer et il aurait pu faire le choix de Le Penant au lieu de Thiago Mendes, mais il a fait le choix, comme le fait souvent Laurent Blanc, de privilégier le physique. L'expérience, bon, ça n'a pas toujours marché. Et donc devant, à la limite, tu aurais pu faire débuter Géfino, mais il y avait peu de marge. Par contre, le système tactique, on voit qu'il y a eu un problème, puisque au bout d'un peu moins d'une demi-heure, Klaus passe à gauche, alors qu'il jouait à droite au début de match, et c'est là qu'on commence à être en grosse difficulté, qu'on n'a jamais su résoudre le problème défensif du côté droit. Où c'est cette défense à 5 avec Barcola qui devait faire le piston et défendre n'a pas marché. On n'a pas su rétablir à la mi-temps ce déséquilibre tactique. Et même quand les changements ont lieu en cours de match, qui arrivent un peu tardivement, il fait le choix quand même de laisser Diomandé plutôt que de faire du poste pour poste avec Gusto et fait sortir un attaquant de plus. C'est un choix qui, en l'occurrence, n'a pas payé puisque. Quand on voit le dernier mandé, mais après, bon, ça ne veut pas dire que voilà, c'est des choix, on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais là, en l'occurrence, c'était perdant. Non, mais Bruno souligne quelque chose d'important, c'est que Igor Tudor s'est adapté dans ce match-là.
Exactement. Il a su changer son fusil d'épaule pour rééquilibrer son équipe et mettre l'OL en danger. Et effectivement, on a été très en difficulté sur le côté droit de notre défense. Mais ça, c'est juste le remaniement tactique d'un coach qui a fait la différence. Il a vu que notre pressing le mettait en difficulté, parce que l'OL, pour le coup, dans les 25-30 premières minutes, a fait un gros pressing et a mis en difficulté cette équipe marseillaise. Mm-hmm. On ne s'est pas procuré énormément d'occasions, mais on les a mis en difficulté. Et ce remaniement tactique a fait la différence, et c'est là où Marseille a repris le dessus, parce qu'on était en difficulté dans les couloirs. Et l'entrée de Malo-Gusto, messieurs, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire par rapport à sa prestation, par rapport à sa situation aussi, On le sent qu'il n'est pas concerné, on sent que c'est l'OL qui a insisté pour qu'il puisse jouer ce genre de match. Je pense qu'il n'a plus l'esprit à l'OL, ça se voit, et c'est dommage parce qu'il a une occasion de marquer en seconde mi-temps. Mais par contre, ça transpire le fait qu'il n'est pas concerné du tout par ce qui se passe aujourd'hui. Son avenir n'est plus du côté de l'OL. Il est vraiment du côté de Chelsea et son esprit est tourné là-bas. Bruno, d'accord, pas d'accord ? D'accord que son avenir n'est plus chez nous, puisque de toute façon, il a signé ailleurs. Après, il ne joue pas très longtemps. Il a une des trois occasions qu'on a dans le match. Donc, il a quand même su la créer. Il ne la met pas. Bon, je dirais que c'est Jeffinho qui l'a créé. Parce que Jeffinho, qui tergiverse, il trouve la passe. Oui, mais parce que Malo, c'est des doublés et autres. Voilà, et sur le but, il n'y est pas pour grand-chose, en l'occurrence, par rapport aux deux autres joueurs. Il est au mauvais endroit au mauvais moment. Ouais. C'est vrai qu'il se fait taper dessus, Malo. Oui. Il se fait taper dessus en général. Par rapport à ce. Ouais, après, encore une fois, c'est le. La communication non verbale qui est pas bonne, on le sent en termes de le visage fermé, pas de plaisir sur un terrain de foot. Quand on joue devant 57 000 personnes dans un match comme ça, où il y a un partout, où on peut se faire plaisir, j'ai un peu de mal à comprendre, moi, ancien joueur qui jouait pas beaucoup et qui rêvait d'être sur la pelouse, comment tu peux faire la gueule quand tu rentres sur un terrain pour jouer au ballon. J'ai un peu de mal, mais voilà, et je pense que je suis pas le seul. Les supporters qui sont dans le stade auraient tous rêvé de mettre un jour ce superbe maillot et de jouer pour ce fabuleux écusson. Voilà, c'est un peu embêtant de voir ce genre d'attitude. Voilà, mais si je peux revenir sur le choix qui a été fait aussi de composition et de tactique, on a quand même eu une équipe qui était plus là pour essayer de résister à un défi physique. On n'y est pas arrivé, comme souvent contre Marseille, plutôt que d'essayer de jouer. Parce qu'en vérité, on a créé très peu d'occasions, très peu de jeux. Exactement. On n'avait pas une équipe qui était là pour jouer et se donner une chance de gagner. On était là pour contrecarrer le On aurait pu, avec beaucoup de chance, sur un malentendu, gagner 2-1. Ok, mais... De la même façon, si on joue 5 fois ce match, on va le perdre 5 fois. Ouais. Après, dans les intentions, j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise tactique en soi avec nos forces en présence. C'est-à-dire qu'en faisant un pressing haut sur Marseille, on a vu qu'on récupérait le ballon haut et donc on était moins en difficulté. C'est à partir du moment où ils ont changé leur animation tactique qu'ils ont eu plus de ballons et qu'ils nous ont mis en difficulté. La première partie du match donne potentiellement raison, mais où je suis d'accord avec Bruno, c'est que c'est un système défensif. Oui. De faire un pressing haut pour essayer de récupérer. C'est pas vouloir faire du jeu, parce que c'est vouloir aller vite en transition. Comme si on... À la récupération du ballon, le récupérer le plus haut possible pour mettre en danger l'adversaire, mais pas par le jeu, juste par des transitions, des phases rapides. Ouais, avec ce sentiment, quelque part, que Laurent Blanc a voulu limite jouer le nul, quoi. On peut dire ça ou c'est sévère? Je sais pas s'il a voulu jouer le nul, mais en tout cas, c'était les armes pour pouvoir essayer de mettre en danger cette équipe, c'est d'abord de bien défendre. Et défendre haut. Jeffinho. Un petit mot sur Jeffinho, justement, parce qu'il y a un supporter qui me dit clairement qu'il était pas mal sur le terrain, enfin en tout cas par rapport à ce qu'il avait proposé, et qu'on pourrait peut-être le voir en tant que titulaire. Et toi, tu avais dit la semaine dernière que c'est trop tôt pour le voir titulaire. Mais effectivement, quand on voit l'enchaînement des performances, quand on voit ce qu'il apporte, le dynamisme, le côté apporter de la diversité dans notre jeu, qui était assez stéréotypé. C'est insouciant. C'est insouciance, voilà. Il est imprévisible, et c'est ce qu'on demande à un attaquant. Pour le coup, aujourd'hui, c'est l'un des seuls joueurs dans l'effectif qui est capable de le faire. Donc oui, ça me paraîtrait pas déconnant sur les prochains matchs de le voir un peu plus. Bruno ? Oui, moi je trouverais bien qu'il débute, parce qu'on a un souci quand même aujourd'hui, c'est que Ryan Cherki fait plus des bons matchs, il est moins bien depuis 3-4 matchs. D'ailleurs, il est critiqué de façon très excessive. Mais il y a un problème de concurrence, il n'y a plus de concurrence. Donc il faut rétablir de la concurrence. Je crois que Houssem Aouar est plutôt aussi en fin d'histoire avec l'OL. Donc ce n'est pas la solution. Et donc faire entrer Jeffinho dans la rotation permet de remettre un peu de concurrence avec Barcola et Cherki. Et je pense que c'est quelque chose de positif. J'aime beaucoup ce côté concurrence qui n'existe pas et qui fait progresser tout le monde en général. Et dans le très haut niveau, c'est la concurrence qui fait la différence. Quand tout le monde est installé, on fait moins d'efforts et donc on s'installe dans un confort et les performances sont moins bonnes. Et comme on a un accident pour l'instant industriel avec notre dernière recrue suédoise qu'on n'a pas vu beaucoup pour l'instant, on ne peut pas dire que ça soit satisfaisant, on n'a quand même plus beaucoup de solutions offensives. C'est très juste.
Il connaît le ballon. Hein. Oui. Il connaît vraiment le ballon, Bruno. Il peut être président de la métropole. Bruno Bernard. Il a vu le ballon. Exactement. Être si pertinent. On regarde un tweet d'un supporter concernant le coaching de Laurent Blanc. Pourquoi les coachs français attendent toujours la 80e minute avant de prendre des risques? Fais entrer Gusteau, sort un milieu, fais entrer Jeffinho, passe en 4-2-3-1, je sais pas moi, trois petits points. Ouais, après, si tu prends l'inverse, Igor Tudor, qui n'est pas un coach français, il a fait un changement et il l'a fait... Est-ce que c'est pas... Donc voilà, tu peux prendre le contre-pied. Est-ce que c'est pas trop tardif, les changements de Laurent Blanc? Mais il n'a pas les joueurs pour faire des changements plus tôt. Ouais. À Toulouse, je crois qu'il n'y a aucun changement, on gagne. Il le fait pas. Et là, la question, ce n'est pas que c'est trop tard, c'est le choix du changement. Ouais. Il fait un choix qui est plutôt défensif, oui. Plutôt que de changer. Mmh. Voilà, il fait sortir un attaquant pour faire entrer Gusteau, c'est ça la réalité. Mmh. Donc c'est plus, je trouve, le choix que... c'est vrai qu'il aurait pu faire un peu plus tôt, mais on égalise, on a la chance d'égaliser avant, donc je pense que ça retarde aussi le changement. Oui, c'est plutôt un choix défensif où on passe à 5 derrière et on fait rentrer Jeffinho à la place de Cherki pour apporter un peu de dynamisme, mais c'est d'abord pour consolider l'aspect défensif. Allez, on écoute Laurent Blanc parce qu'on a parlé, mais on va quand même laisser la place aux techniciens de l'Olympique Lyonnais après cette défaite contre Marseille. Je pense que le partage des points aurait été bien pour les deux équipes. Je suis peut-être pas objectif, mais je pense qu'on a la balle de match. Eux, ils ont eu la balle de match aussi. J'en discute avec. Il me disait qu'il y avait deux belles équipes sur le terrain. Je pense que le score qui aurait reflété la physionomie du match aurait été 1-1, c'était pas mal. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Donc on est vraiment frustré sur le résultat, pas sur le match. Enfin, ça me concerne à moi. Je ne suis pas frustré sur le match parce que je trouve qu'on est en net progrès sur pas mal de points. Alors c'est difficile d'être satisfait après une défaite, mais sur le jeu, je trouvais que mes joueurs avaient été courageux. Même s'ils ont fait des erreurs, mais on en fait tous des erreurs. Non, aucune. Il n'y avait pas d'opération. L'opération, c'est de gagner 3 points. Donc quand tu as gagné 0, tu as fait une mauvaise opération. Point. Et par rapport au résultat d'aujourd'hui, tu savais que vous avez une... Oui, mais je disais ça à vos confrères. Ça, c'est pour vous, ça. Ça, c'est votre travail de tous les jours. C'est votre quotidien de tous les jours, d'essayer de faire espérer, pas espérer, comprendre. Nous... ce que je voulais dire, c'est que, je vais faire une métaphore, mais arrêtons de regarder ce qui se passe chez les voisins. Quoi. Occupons-nous de nous. Alors les résultats, oui, effectivement, vous pouvez pas ne pas les savoir, parce que vous savez, avec moi, comme les réseaux sociaux, les téléphones, dans les scores de toutes les équipes, on le sait. Chaque fois, quand vous jouez le dimanche à 20h45, vous savez tous les résultats, et c'est normal. Faisons ce qu'on doit faire. Voilà. Et tout le monde se portera bien. Voilà la réaction de Laurent Blanc à l'issue de cette défaite. Nico Puigbois qui sourit. Ouais. Tu en penses quoi? Parce que les avis sont partagés. Hein. Il y en a qui disent réaction lunaire, il y en a qui disent non, mais en même temps, il a. Alors moi, il y a quelque chose qui me pose problème, c'est qu'il trouve normal qu'Anto Lopez fasse autant d'arrêts et que du coup, le match nul soit normal. Effectivement, je pense qu'Anto a très mal habitué la plupart de ses coachs, et surtout en tout cas cet effectif cette année, c'est qu'il porte l'équipe à bout de bras, sans Anto Lopez avec des performances aussi importante, on serait peut-être loin d'espérer jouer la cinquième place. Donc pour moi, ce qui me paraît incohérent, c'est que ce match-là, si t'as pas un gardien de ce niveau-là, t'es mené 3 ou 4-1 sans problème. Passons. Sur la deuxième partie, je suis plutôt assez d'accord. Occupons-nous, travaillons, essayons de progresser, essayons de faire avec ce qu'on a, et puis après, si on doit avoir des résultats, si on mérite d'avoir de meilleurs résultats, on obtiendra de meilleurs résultats. Donc la première partie me paraît un peu... Ou alors c'est une vraie belle preuve de confiance pour son gardien. Ça veut dire qu'il sait que son gardien lui rapporte 2-3 arrêts, voire et beaucoup de points dans la saison. La deuxième partie, je la trouve plutôt bonne. Bruno ? On le sent quand même assez déçu dans sa réaction. Après, quand il raconte qu'un match nul aurait été équitable, on a déjà parlé, c'est pas très sérieux. Mais c'est aussi une façon probablement de défendre son groupe qui maintenant est assez fermé, assez limité en termes de nombre de joueurs, avec des jeunes, qui est plutôt sur une bonne phase depuis un mois. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il ait eu ses joueurs non plus actuellement. Voilà, donc je pense que sa réaction, elle protège probablement aussi le groupe en même temps. Jérémy qui nous dit « Blanc est responsable, il y avait des joueurs sur le banc capables de changer des choses, notamment au milieu, qui était à la rue. On aura l'occasion de l'évoquer, ça sera le deuxième thème justement. Et attendre la 80e minute, c'est scandaleux. » Voilà, la réaction de Jérémy. Oui, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre aussi, effectivement. À partir du moment qu'il y a des arguments,
Comme on les entend, vous savez, vous avez la parole. C'est la beauté du foot, c'est que chacun a sa vérité. Place au débat tant qu'il est intelligent. Oui. C'est pas toujours évident. On regarde les statistiques, justement, pareil, implacable. L'Olympique de Marseille qui n'avait plus gagné à Lyon depuis le 11 novembre 2007, soit 14 matchs. Ça fait mal. Ça fait mal, bon. Ouais, toutes les bonnes séries ont une fin, malheureusement. Et là, c'est en notre défaveur. Ouais, ça arrive, c'est long. C'est long, 14 ans. Donc, il y avait bien un jour, surtout après trois saisons où l'OL finit dans le ventre mou du classement, il y allait bien avoir un moment où Marseille allait changer cette statistique. Mais on va enchaîner avec une autre statistique, justement, par rapport au match à domicile, soutenu comme jamais dimanche pour ce match contre Marseille. Et pourtant, l'OL n'a gagné que 3 de ses 10 derniers matchs à domicile en championnat, Bruno. Ça démontre qu'on n'arrive pas à faire le jeu. Ça revient un peu à ce qui a été dit. C'est-à-dire que si on défend à domicile, il n'y a pas de raison que l'équipe adverse nous fasse le cadeau de se découvrir et de prendre des risques. Donc ça confirme nos difficultés. Après, il y a eu des défaites ou des matchs nuls, parfois dans les derniers matchs, où on aurait mérité de gagner très largement. Voilà, il y a eu aussi 2-3 fois où ça n'a pas tourné dans le bon sens quand même précédemment. Alex Lacazette, on en parle ? On peut. Alex Lacazette, justement, qui a encore une fois marqué. À domicile, justement, on va regarder, découvrir ensemble, pardon, une déclaration. Il y a beaucoup de déceptions après, justement, cette défaite contre Marseille. Prendre ce but comme ça à la fin, c'est rageant. Contre ces équipes face auxquelles on n'a pas beaucoup d'occasions. Il faut les mettre au fond. Et moi, la première, je dois la mettre au fond. Très lucide. C'est dommage. C'est un match à notre image. Et là, je suis plutôt d'accord avec lui. On n'est pas loin d'eux, mais au final, on ne prend pas de points. C'est toujours la même histoire avec cet Olympique Lyonnais. Nico. Ouais, je sais pas si c'est à leur image parce que de la saison. Pour le coup, non, mais pour le coup, sur ce match-là, ils l'ont joué avec leurs armes, mais ils l'ont joué. Il y a des matchs où ils ont pas joué. Il y a des matchs où ils ont choisi de pas jouer. Où ils étaient là, ils ont erré sur le terrain, ils ont pas fait ce qu'il fallait. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse de c'est à l'image de l'équipe parce que sur la rencontre d'hier, ça affiche la faiblesse ou les problèmes à régler de l'OL. Mais en termes d'état d'esprit et de après entre la qualité de ce que le groupe peut apporter et l'état d'esprit et l'envie de gagner un match, c'est le jour et la nuit par rapport à certains matchs qu'on a pu voir de l'OL. Bien sûr. Là, hier, ils ont mis. Tout est relatif. Oui, mais hier, ils ont mis le costume d'un match qu'il fallait faire face à Marseille, avec tous les défauts de cet effectif-là. Bruno. Des faiblesses ou les carences de cet effectif-là. N'hésite pas à rebondir. Non, mais la déclaration d'Alex, elle est très équilibrée. Et puis, il a quoi ? Il a 2 occasions dans le match. Et les 2 sont difficiles. Ouais. La première peut-être plus facile que la deuxième, parce que même le but qu'il met, le toucher est très compliqué. Il y en a combien qui le mettent, ce but ? Donc, il a 2 occasions, demi-occasion, il met un but. Lui n'a probablement rien à se reprocher sur ce match. Et il prend un peu la responsabilité pour lui, ce qui est aussi sympa pour ses jeunes coéquipiers. En tant que capitaine, oui. Ouais. Oui, mais je dis pas plus. Je dis juste que je suis pas d'accord sur le principe de par rapport à ce qu'on a vu hier dans le match de ce qui a été proposé. C'est juste l'écart de niveau entre un prétendant à la Ligue des Champions et un OL qui normalement est en milieu de tableau. Donc par rapport à certains matchs, ce que j'ai vu hier, c'est loin d'être l'OL de cette année. La première partie de saison, on a vu un OL qui avait pas d'envie, qui était amorphe, qui courait pas, qui faisait pas il y avait pas d'intensité, il y avait pas dans les duels qui étaient très défaillants. Là, avec leurs limites, ils ont quand même essayé de tenir la dragée haute à un prétendant aux 2-3 premières places. Et quitte à perdre un match contre Marseille tous les 15 ans, on fait peut-être mieux perdre celui-là dans cette saison. On n'a pas grand-chose à gagner parce qu'elle est quand même. Parce que moi je leur reproche les défaites face à Clermont, les défaites face. C'est ces matchs-là, moi, qui normalement tu ne dois pas perdre. Perdre chez toi à la dernière minute sur un concours de circonstances face au deuxième du championnat, tu n'as pas à rougir. Par contre, quand tu perds contre Clermont, quand tu perds contre Angers, quand tu perds contre ces clubs-là, à domicile, pour moi. C'est pas normal. Si je ne m'abuse, 7 tirs cadrés pour Marseille et 2 pour l'OL. Hein, si je ne m'abuse. Bah, la différence, elle a existé. Sans un bon gardien, c'est pas ce score-là que tu te retrouves à la fin du match. Est-ce que, comme Nicolas Tagliafico, vous dites au revoir l'Europe ? C'est terminé pour vous ? Oui. Oui, pour toi, Bruno ? Pour moi, c'est terminé depuis longtemps. Donc après, ouais, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis, est-ce que la 5e place, c'est vraiment l'Europe ? Enfin, voilà, la coupe à Toto, enfin, oui. On ne sait plus comment elle s'appelle. Oui. C'est sympathique, on la prend, c'est mieux que rien, mais ça fait quand même longtemps. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de préparer la saison d'après. Et donc, de bien finir quand même en faisant monter des jeunes, ce qui est en train d'être fait d'ailleurs. Hein. C'est ce qui est positif aussi depuis 2 mois, c'est qu'on voit des jeunes éclore, nombreux, Kumpeti, Barcola, Cherki. Donc, ça, c'est un vrai plus. Pour la suite. On est parti trop loin
Et on a raté trop d'occasions de revenir pour pouvoir prétendre à la Coupe d'Europe d'ici la fin du championnat. Donc on regarde le classement ? On peut. Nico, il aime bien regarder le classement. Maintenant, oui, en début de saison moins, mais là c'est factuel. Hein, rien voilà, le classement, effectivement, l'Olympique Lyonnais qui est 7e. Et dire que le nul de Lille à Auxerre et la défaite de Rennes à Montpellier lui donnait une belle occasion à cet Olympique Lyonnais, justement. Mais voilà. C'est comme ça. L'OL a tout gâché. Mais c'est pas là que l'OL perd sa remontée. Oui, mais quand t'as une opportunité comme ça, oui. Que tu joues dimanche à 8h45. Mais c'est pas la première que tu perds. Et si on en est là, c'est pas à cause du match face à Marseille. C'est, encore une fois. C'est... Non, et puis, il n'y a pas longtemps, on était 10e. On a 5 points d'avance sur les 10e place. Donc ça montre quand même qu'on a fait un saut, mais ça suffit pas. On a trop de retard à rattraper. Et donc, même si on gagne les 6 derniers matchs, les défaites ce qui est improbable, de toute façon, ça risque d'être un peu court pour aller chercher la 5e place. Prochain match, on regarde le calendrier. Eh ben justement, on va regarder. Strasbourg, tout ça. Eh ben exactement, tout ça. C'est Strasbourg d'abord, justement. Le calendrier qui attend l'Olympique Lyonnais, on va le regarder ensemble, messieurs. Et effectivement, un déplacement du côté de Strasbourg, l'ancien club de Nico Puttebois. Et puis la réception de Montpellier après un déplacement du côté de Clermont. Et puis après Monaco, Reims. Et déplacement à Nice pour clôturer cette saison. Ouais, faut faire attention à Strasbourg, à Clermont. C'est des équipes qui n'ont pas encore leur maintien en poche. Reims et Nice, je pense qu'ils seront en roue libre parce qu'ils seront en milieu de classement. On se moque de moi en régie parce qu'ils disent Radic, tu n'as pas dit attention danger. C'est vrai que chaque lundi, je dis attention danger. Attention à la bête blessée, attention danger. Même Montpellier, on peut perdre. Hein. on peut gagner tous ces matchs comme on peut tous les perdre. Tout est possible. Ouais. Il n'y a aucune certitude aujourd'hui. Ouais. Il faut faire attention. Là, voilà, dans les 3-4 prochains matchs, les équipes ont des choses à jouer. Donc, rien n'est joué d'avance pour l'OL. Je vais agacer Nico Puttebois, parce que Nico, c'est, il a de la personnalité. Il est gentil, mais il a de la personnalité. Parce qu'il y a Tommy qui souhaite interpeller Nico Puttebois, justement, notre consultant. Nico, tu es devenu tellement tendre. On perd celui qu'on aimait, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es pris la pression par le club ou quoi? Ouvre les yeux, Nico Puttebois. Bon, alors, je sais pas sur quoi je devrais les yeux, mais depuis le début de saison, je dis que l'OL est à sa place, qu'on est 10e, que cet effectif n'est pas équilibré, voire faible. Donc, en fait, je peux pas, mon raisonnement est tel qu'aujourd'hui, on est à notre place, et bien à notre place, et qu'on ne mérite pas mieux. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais tirer sur une ambulance. Voilà, on a fait des constats depuis le début. Cet effectif est mal composé. Moyen. En termes de qualité, en termes de profondeur de banc, en termes de maturité, de jeunesse, d'expérience, tout ce que tu veux. Et donc, du coup, le constat qui a été fait depuis le début de la saison, je ne vais pas le remettre en question aujourd'hui, en m'acharnant sur des joueurs qui n'ont pas, selon moi, le niveau pour amener l'OL dans les 4 premières places. Donc, voilà, j'essaie d'être cohérent dans ma ligne, dans ma grille de lecture et dans ma ligne directrice. On va parler du milieu de terrain, qui a été défaillant contre Marseille. Alors, pas seulement, mais voilà, ce secteur de jeu. Oui, mais c'est le secteur de jeu qu'on doit maîtriser. Qu'on doit maîtriser, effectivement. Il est temps, il est l'heure de passer au deuxième thème de TKYDG. Hashtag TKYDG, je crois quelqu'un est venu au secours de Nico Puttebois. Nico est lucide, les gars, voilà, c'est son cousin, c'est son oncle, je sais pas. C'est la famille. C'est la famille qui vole au secours de notre consultant. Mendes, Tolisso, Cacré, le milieu de terrain n'a pas été bon, clairement, Bono contre Marseille. Non, voilà, c'est assez simple, il n'y en a aucun des trois pour attraper l'autre. Des erreurs techniques à l'appel. Ouais, et puis en termes d'impact, de présence, on s'est fait manger au milieu. Voilà, enfin, je ne sais pas dire si c'est la faute que des trois milieux, hein, mais globalement, tactiquement ou physiquement, ça n'allait pas. Très intéressant, parce que comme ça, on va donner le ballon à Nico Puttebois qui va nous dire, lui, en tant qu'ancien joueur, alors, justement, pourquoi. Voilà, exactement. Non, mais oui, mais en fait, dès l'instant où tu mets un peu de pressing à ces joueurs-là, dès l'instant où ils ont un peu moins de temps pour prendre l'information avant de recevoir le ballon, ça enchaîne des mauvais contrôles, des erreurs techniques, des mauvaises passes. C'est le genre de joueur qui qui met beaucoup un Maxence Cacré ou un Thiago Mendes, c'est plus des joueurs récupérateurs, c'est pas des joueurs qui exploitent le ballon. En fait, ils font les efforts pour récupérer, ils sont pas avares d'efforts pour récupérer le ballon, mais une fois qu'ils l'ont, ils le donnent au créateur. Et aujourd'hui, dans ce milieu de terrain, il n'y a pas de créateur. Et Corentin Tolisso n'est pas un créateur. Donc aujourd'hui, on a trois milieux qui sont là et qui n'arrivent pas à faire le jeu. Il est loin le temps d'Essien Diarra qui, avec de l'impact physique, avec des duels, qui gagnait leurs duels, mais qui en plus savait manier le ballon.
savait se projeter, avait du volume de jeu pour pouvoir se projeter, avait du volume de jeu pour gagner des duels, avait des qualités techniques pour pouvoir utiliser le ballon à bon escient. On en est loin. Et donc là, dès que notre terrain est un peu mis sous pression, bah, soit il joue vers l'arrière, soit il perd les ballons. Non, ça fait longtemps qu'on n'a plus le meilleur milieu d'Europe. On est bien d'accord. Mais après, je m'interroge aussi sur le rôle des attaquants, parce que finalement, on demande beaucoup la balle dans les pieds, notamment Cherki. Et du coup, ça donne peut-être aussi moins de solutions au milieu pour anticiper des passes ou des mouvements, d'avoir des attaquants qui, parfois, ne créent peut-être pas assez d'appels ou autres. Voilà, enfin, je m'interroge aussi sur cet aspect-là. C'est une évidence, et on n'a pas ce joueur qui s'intercale entre les lignes, qui joue dans les intervalles, qui demande le ballon dans ces espaces-là pour pouvoir créer justement des difficultés au milieu de terrain adverse. Quand on joue entre le milieu de terrain et la défense adverse, quand on a un joueur qui se positionne dans cet espace-là, qui défend ? Est-ce que c'est le milieu de terrain adverse qui recule et qui laisse de la latitude à notre milieu de terrain qui a le ballon ? Est-ce que c'est le défenseur central qui sort et qui permet à l'attaquant d'exploiter de l'espace dans son dos ? Tout ça, c'est une question de mouvement. Donc effectivement, Bruno, il y a peut-être le mouvement de nos attaquants qui est toujours très prévisible, qui est toujours très en profondeur, ce qui fait qu'on n'utilise jamais cette partie dans les intervalle de la défense entre le milieu et la défense adverse. Ah, et je reviens de notre côté droit avec Diomandé qui n'est pas capable de prendre le couloir pour attaquer, qui déséquilibre complètement les possibilités. Quand on a une possibilité côté droit, les solutions d'attaque sont moins nombreuses. Ce qui n'est pas vrai de l'autre côté avec Tagliafico, oui. qui fait des efforts, qui dédouble et qui propose des choses. Mais c'est vrai que c'est... Donc on n'est pas très équilibré. Et on attaque que d'un côté et on en difficulté que de l'autre. C'est assez prévisible. Il y a Loris, un fidèle téléspectateur de Tankara des Guns, qui nous dit arrêtez de nous parler de Michael Essien, de Gila Diarra. Mais c'est ce qu'on a connu, on va tous pleurer. Mais on en a connu d'autres à l'époque. À l'époque, même quand il y avait Philippe Violo, Christophe Delmotte ou autre, ça jouait, ça essayait, en tout cas avec leur qualité. Mais voilà, ça a été les prémices. Hein, et on a commencé à être champion sans Michael Essien et Gila Diarra. C'est vrai. Et avec David Linares, mais parce que c'était des joueurs qui savaient se placer, qui jouaient pour l'équipe, qui étaient besogneux, qui jouaient simple, qui jouaient pour le collectif. On va prendre un tweet d'un supporter, Tristao, qui souhaite réagir justement par rapport au milieu de terrain, qui nous dit « Cacré, Le Penant, Tolisso, Mendes, Aouar, va faire un milieu qui tient la route avec ça. » Donc c'est un problème d'effectif ? Bon, c'est un problème de qualité individuelle, de complémentarité. Ils ont tous le même profil, là, pour moi. C'est des récupérateurs. Le Penant, Thiago Mendes, c'est un peu plus sentinelle que Cacré et Tolisso. Mais Tolisso, il n'est pas au point physiquement, et on le sait. Et tant que Corentin Tolisso ne sera pas au point physiquement, il ne pourra pas l'être techniquement, il ne pourra pas l'être mentalement, et il n'apportera pas ce qu'il doit apporter à ce milieu de terrain. Et Maxence Cacré, on sait que depuis qu'il a signé son nouveau contrat, c'est les montagnes russes. Un coup, c'est bien, un coup, c'est moins bien. Et puis le fait de ne pas jouer à la Ligue des Champions, c'est séparé de deux très bons joueurs, Guimarães et Paqueta au milieu, et là, on les a très bien vendus d'ailleurs par ailleurs. Mais on ne les a pas remplacés. Forcément, on affaiblit, quand on vend ses meilleurs joueurs, on affaiblit l'équipe. Hein. Effectivement, on va regarder. Oui, vas-y, Nico. Non, mais effectivement, après, on parlait de qualité technique, on parlait de qualité de joueurs. De créativité. De créativité, merci Razik. J'entends, je le vois passer sur les réseaux et Larouche, et oui, je me pose la question. Dans un match comme ça, c'est compliqué parce qu'il y a de l'impact. Et il y a de l'intensité, donc par rapport à sa capacité physique à survivre dans ce genre de match, je ne le sens pas prêt. Par contre, dans sa capacité à utiliser le ballon et à apporter de la créativité à ce milieu de terrain, pourquoi pas ? Donc à lui de passer le cap physique, de s'aguerrir pour pouvoir prétendre peut-être à jouer ce genre de match. Mais en tout cas, il aurait pu nous faire du bien par rapport à sa palette technique. Je ne sais pas s'il aurait fait un bon match, mais en tout cas, par sa palette technique, par sa touche de créativité, il aurait peut-être animé un peu ce milieu de terrain qui manque cruellement de folie, de créativité, simplement. Parce que normalement, la créativité, c'est rien de Cherki, normalement, sur le papier en tout cas. Oui, mais il joue au milieu de terrain. Ouais, non, mais pour dire, au sein de l'équipe. Et même là... Non, c'est trop peu. C'est trop peu. C'est trop peu, il veut le ballon dans les pieds, il part de trop loin, il veut dribbler 3-4 joueurs, il joue pas assez simple dans ce genre de match. Quand il y a de l'intensité, quand il y a de l'impact physique en face, il faut lâcher le ballon plus vite, voire avant. On regarde une infographie concernant ces milieux contre Marseille. On commence avec Corentin Tolisso. Et Bruno, j'ai envie d'avoir ton regard justement concernant Corentin Tolisso. C'était déçu toi aussi, comme beaucoup, par rapport à son rendement. On sent qu'il n'est pas 100%. Quoi. Non, mais il est arrivé, vous savez qu'il y avait un risque. Quand le Bayern de Munich ne garde pas un joueur, c'est rarement par hasard. Et d'ailleurs, les joueurs qu'on a pris du Bayern de Munich, Jovenel Delbert, c'était pas terrible.
Oui, on ne peut pas dire que Boateng, que ça soit une réussite. Et Coco, finalement, à côté, c'est mieux que les deux autres. Oui. Il revient un peu, il niveau, est mieux, d'accord. Il finit les matchs. Mais ouais. C'est vrai qu'on sent encore peut-être une petite réserve dans l'impact physique. Enfin, qu'on sent qu'il y a encore un peu de réserve et qu'il n'est pas revenu encore à son meilleur niveau. Après, il n'y a pas eu de transfert. Il a un contrat de plusieurs années. Donc, j'espère que l'année prochaine, il sera en pleine boue, mais qu'il peut apporter beaucoup. Et puis, il faut rééquilibrer autour de lui peut-être aussi le reste des joueurs. On a vu 14 ballons perdus hein, pour Coco Tolisso. Il y a Paul Le Guen qui avait une remarque assez significative lors des causeries d'avant-match sur un ou deux joueurs chez nous, Sidney Govou notamment, ou d'autres milieux de terrain. Il leur disait que si athlétiquement, ils faisaient un gros match, la performance serait au bout. Athlétiquement, faire un gros match, c'est faire des efforts aussi bien offensifs que défensifs, c'est courir beaucoup, c'est avoir de l'activité. Et là, tu t'aperçois qu'un joueur comme Corentin Tolisso, il était très bon à l'époque quand il avait une grosse activité athlétique. Là, aujourd'hui, physiquement, il n'a pas les capacités de le faire. Donc, ça devient un joueur moyen. Et c'est dommage, avec les qualités qu'il a. Et je ne sais pas si tu as les statistiques des kilomètres parcourus, mais moi, j'ai trouvé hier au stade que quand un joueur avait le ballon, il n'y avait pas tellement de solutions autour à chaque fois. Il y avait quand même peu d'appels, peu de propositions. Je ne sais pas si les courses étaient là, mais moi, il y avait à chaque fois peu de solutions. Et donc, pour le porteur du ballon, à un moment donné, Ryan, il peut donner des ballons, mais encore faut-il qu'il se passe quelque chose. C'est pour la remettre en arrière. Et là, du coup, il y a deux problèmes. Effectivement, il y a le manque de solutions. Et puis le fait que les Marseillais fassent un gros pressing où on a encore moins de temps pour prendre sa décision. Donc si on n'a pas de solution et qu'en plus on a moins de temps pour garder le ballon, exactement, on perd beaucoup de ballons. C'est vrai, très juste. Mais... très 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 juste. Thiago Mendes, on voit que on l'a dit, hein, c'est celui qui a entre guillemets le mieux performé, si on peut dire ainsi, avec 10 ballons perdus et 80% de duels gagnés. Et puis à Maxence Cacré, ça m'intéresse parce qu'encore une fois, Maxence Cacré, on a du mal à le juger cette saison. On a du mal à comprendre en fait ce qu'il On a l'impression qu'il est rentré dans le rang, on a l'impression qu'il a du mal à gérer son nouveau statut au sein de l'OL, peut-être son nouveau contrat, je ne sais pas. Toujours est-il que là où il apportait de la fraîcheur, là où il apportait beaucoup de courses, il défendait en avançant, et une fois qu'il récupérait le ballon, il faisait souvent des choix justes. Là, on s'aperçoit, 19 ballons perdus, c'est qu'il ne fait pas les bons choix. C'est énorme. Il perd les ballons, il gagne une partie de ses duels, mais pas tous. Il a moins d'activité, il a moins de fraîcheur. J'ai l'impression qu'il a moins de fraîcheur mentale que ce qu'il pouvait avoir auparavant. Moi, je suis d'accord, il est moins bien, peut-être depuis 6-7 matchs. Enfin, il est moins bien. Il y a eu une bonne période où il s'est bien projeté. Ouais, mais il y a une période où il s'est bien projeté. Il a fait des pas décisifs, il a dû peut-être mettre un but. Ouais, il a mis un but. Il était dans la surface, il a porté un supplément, et là. Il ne s'est pas projeté devant, donc soit il n'était peut-être pas les mêmes consignes, il jouait plus bas, il y a des fois il a joué un peu plus haut, mais indiscutablement il est moins bien depuis quelques matchs. Et on l'a vu justement sur cette infographie, aucune frappe tentée par les trois milieux de terrain et seulement 4 dribbles tentés par les trois milieux de terrain, 3 réussites. Un manque de créativité, manque de projection vers l'avant, manque de dépassement de fonction, mais c'est parce que tu as aussi moins de temps par rapport à un adversaire qui t'étouffe. Et puis toute la saison, nos milieux de terrain n'ont pas marqué. Il y a le but de Coco contre Rennes, une magnifique frappe, mais c'est peut-être la seule de la saison. Thiago Mendes, il met un but sur coup franc, je crois. Oui. Et Cacré, il a mis un but. Donc nos milieux de terrain ne mettent pas de but. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, C'est vrai que si on n'a pas Alexandre. Et comme les défenseurs n'en mettent pas beaucoup, t'as pas beaucoup de solutions. C'est vrai qu'il n'y a que Alexandre Lacazette qui marque, c'est vrai. Barcola en a mis un peu. Oui, Barcola aussi. Ouais. Parce que Nico était. On en parle un peu de Barcola ou on pas peut parler de Barcola. Parce que j'ai vu un petit tweet en disant Nico était sceptique concernant Barcola. Mais là, on aimerait qu'il soit aussi sceptique concernant Léa Rouge. Et comme ça, Léa Rouge va venir dans le groupe pro, va briller. Et Nico va admettre, reconnaître qu'il est pétri de talent, ce mois de Léa Rouge. Sur le match d'hier, tu vas me dire ce que tu veux, mais sur le match d'hier, ce que fait Bradley Barcola, ça apporte de l'élan, de l'allant. Oui. C'est beau. Oui. Mais est-ce que c'est efficace? Moi, je crois qu'il avait été aussi déjà en grosse difficulté l'année passée contre Marseille. On avait gagné avec un bon match. C'était peut-être le premier match où il était titulaire, mais il était passé à côté. Et que là, ce n'est pas un match pour lui. Si on joue sur l'intensité physique, ce n'est pas bon. Si maintenant, on essaie de jouer le ballon dans la profondeur, peut-être qu'il va y arriver. Mais vu le système de jeu qu'il a eu avec Diomande qui est derrière lui, on lui demande un peu de miracle. Hein. Il faut qu'il fasse un exploit individuel sur une action. Parce que ses premières prises de balle, là, à un moment donné, où il fait son petit piqué par-dessus le défenseur et qu'il la met en une touche, c'est beau. C'est sympa, ça fait vibrer le public et effectivement, ça apporte un peu de créativité, mais c'est pas suivi d'effet. La bonne passe qui va mettre Alexandre Lacazette face au but, la bonne passe à Ryan Cherki qui va le mettre en... Non, en fait, toujours l'avant-dernière passe ou la dernière passe, elle est inefficace.
Donc, il a sa marge de progression. Mmh. Effectivement, il apporte du temps quand même. Voilà. Il apporte du dynamisme et il apporte une plus-value. Il essaie de faire des différences. Voilà. Oui, ça, je le note. Et c'est tout à fait à mettre à son crédit parce que c'est l'un des seuls qui est un peu moteur comme ça, qui peut apporter le danger. Mais. Bof, quoi. Sur ce match-là. Non, mais est-ce que c'est efficace pour le haut niveau? Sur ce match-là. Ça apporte pas d'occasion franche. Il n'a pas été aidé, c'est ce que dit Bruno aussi. Mais peut-être, mais n'empêche que. Et puis en début de saison, Barcola, il n'est pas sur le terrain, il n'est même pas sur le banc quasiment. Il n'est pas dans le match. Non. Donc il faut se rappeler d'où on part en la saison. Donc finalement, il dépanne. On voulait le prêter en janvier. Voilà, il dépanne et. Aujourd'hui, on nous le vend comme Thierry Henry de l'époque. C'est bon, à un moment donné, il faut aussi avoir raison garder. Si c'est Thierry Henry, on va le vendre très vite. Et il marquerait des buts. C'est un vrai problème, ça d'ailleurs. C'est quand les joueurs, après, on n'arrive pas à les garder. Ça, c'est un autre débat. Ouais, je sais pas. Il a peut-être une mentalité un peu plus tournée vers l'OL. Il a peut-être un peu plus le cœur qui bat rouge et bleu. J'ai l'impression. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression aussi. Ils sont pas tous comme ça. Non. On enchaîne avec le troisième thème. On va parler des jeunes Texans, justement. Du changement, vite, du changement. C'est le troisième thème de TKYDG. Oui, parce que John Textor et sa bande. John était présent justement au stade d'administration. Conseil d'administration ce lundi. Voilà, on va pas vendre du rêve. Il y a pas grand chose qui a fuité forcément. Il y aura sûrement une communication de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il y a John Textor qui souhaite du changement. Est-ce qu'on contextualise, Nico? On regarde d'abord la déclaration de John Textor. Ou tu veux d'abord réagir et donner ton avis? Sur le patron. Vas-y. Allez, on regarde d'abord la réaction de John Textor justement au micro de Prime Vidéo après la défaite de l'OL contre Marseille. Les supporters veulent voir une équipe plus agressive qui donne tout sur le terrain. Jean-Michel Aulas manage ses équipes. Moi, je suis là pour poser des questions, obtenir des réponses, avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Nous voulons de meilleurs résultats, donc on doit faire les choses différemment. Faire des choses différemment. Ça, c'est intéressant. Ouais, j'aime beaucoup. On enchaîne parce qu'il était un peu bavard, forcément. Surtout les journalistes souhaitaient avoir pas mal de réponses, obtenir des réponses. On a une jeune équipe. Nous avons été très bons sur la deuxième partie de saison. Notre académie est l'une des meilleures au monde, si ce n'est la meilleure. D'une manière ou d'une autre, nous devons apporter l'expérience de joueurs qui savent comment gagner. J'aime l'idée que cette équipe soit le reflet de la formation lyonnaise, de l'identité du club. Mais nous devons mettre des gagnants sur le terrain. Je suis un acteur du changement. On va opérer des changements. Ce sera le rôle de Jean-Michel Aulas. Bruno, il vend du rêve là. Voilà, mais apporter des joueurs d'expérience, c'est pas compliqué. Il faut sortir le carnet de chèques. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Si on prend des joueurs en fin de contrat que personne ne veut ou qui sont pas chers sur le marché, ça peut marcher. Mais il y a moins de chances quand même que si on fait des transferts à 30 millions, 40 millions pour prendre 3 joueurs à l'intersaison qui apportent un gros plus. Donc la réalité, c'est soit on est sur le même modèle économique depuis quelques saisons, pas de Coupe d'Europe, on perd un ou deux très bons joueurs, on se renforce timidement avec des bonnes pioches ou pas. Et on a plutôt eu des bonnes pioches d'ailleurs cette année, hein, contrairement à l'année d'avant. Soit ça sera difficile de vendre du rêve. Après, on verra si le nombre d'équipes qualifiées en Ligue des Champions l'année suivante. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de penser qu'on va être sur le podium l'année prochaine, sauf un changement important en termes d'équipe. Ouais. Nico, j'imagine que tu acquiesces bien volontiers. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord, mais je pense que dans le discours de John Textor, c'est la partie changement, c'est la partie faire des choses différemment. Je crois que Textor l'a dit lui-même, mais il y a une phrase d'Albert Einstein qui dit la folie, c'est de reproduire toujours les mêmes choses et de croire à des résultats différents. C'est ça. Et effectivement, ça me parle parce que c'est le jour où j'ai pu faire, où je suis sorti de mes zones de confort, que j'ai pu passer un cap dans le foot, par exemple. C'est sûr que si je mange toujours la même chose, je risque pas de maigrir aujourd'hui. Donc effectivement, l'OL aujourd'hui a besoin, pour se renouveler, soit d'un nouveau projet et donc de fonctionner de manière différente, mais arrêter avec les mêmes ficelles de de vendre ses meilleurs joueurs en les remplaçant par des joueurs moins bons. Ça fera que amplifier le déclassement que connaît sportivement l'Olympique Lyonnais actuellement. Donc je pense qu'il faut revoir un peu sa manière de penser. Si on veut recruter s'appuyer sur le centre de formation, c'est très bien. Mais encore une fois, c'est pareil. Je pense que le centre de formation doit se renouveler et former des joueurs qui sont capables de jouer le très haut niveau et arrêter de former des joueurs pour toute la Ligue 1 ou toute la Ligue 2. Parce que si c'est des points qu'on cherche, avoir le meilleur centre de formation parce qu'on a
X pro en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est très bien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs de talent, des Karim Benzema, qui vont marquer des buts et qui vont marquer des points à l'Olympique Lyonnais. C'est des Anto Lopez, c'est des Alexandre Lacazette, c'est des Umtiti. Voilà, c'est ce genre de joueurs qu'on a besoin de continuer de former, tout en recrutant des bonnes pioches, parce que je pense qu'on n'a pas le carnet de chèques qui est extensible. John Textor, il a un joli sourire, il est très motivé, mais je ne suis pas sûr qu'il ait la fortune d'un milliardaire. Il entoure une milliardaire. Il est peut-être entouré de milliardaires. Nico, regardez l'infographie, regarde. J'espère qu'il en trouve, mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir des idées plutôt que d'avoir de l'argent aujourd'hui. On n'a pas de pétrole. On n'a pas de pétrole, mais il faut avoir des idées. Non, mais c'est vrai. On va regarder l'infographie, justement, Eagle Football, avec tout. Voilà, il est quand même monté. Ouais, il y a quand même des gens qui ont des moyens. Michel Kang, elle veut acheter des filles, elle veut pas acheter des garçons, elle veut pas mettre des sous dans les garçons, elle veut mettre des sous dans les filles. Oui. Oui, certes, mais ce que je veux dire, c'est que la délégation gueule présente pour ce match au LOM. Mais c'est pour ça qu'il n'y avait plus de place. C'est des gens qui ont des moyens. Voilà, quand même des moyens, qui ont de l'argent. On a le sentiment, et Bruno, tu étais présent toi avec ces gens-là, d'ailleurs, en prison box. On a le sentiment que voilà, ces gens-là souhaitent vraiment investir, en tout cas, à l'Olympique Lyonnais. Sur le papier, en tout cas. Maintenant, on va voir. Bon, on sent des gens qui ont. Non, oui, non, mais il faut voir. On ne sait pas pour l'instant. C'est sceptique, plutôt. Non, mais on ne sait pas. Ça fait quand même quelques mois que l'achat a été fait. On est quand même dans une configuration très particulière où un acheteur achète cher, un très beau club, donc je ne suis pas sûr qu'il achète trop cher, mais en tout cas, il achète. Avec des actifs. Jean-Michel Aulas est quelqu'un de brillant, qui a fait un super boulot, et il a bien aussi vendu le club. Qui nous explique, je mets beaucoup d'argent, mais je ne change rien, je laisse faire l'équipe en place, pendant 3 ans, j'ai toute confiance. Donc déjà ça. Non, mais il n'y aura pas les résultats. Ça étonne. Donc moi, je ne crois pas au Père Noël. Mais ça peut être bien, parce que même avec la même équipe, on peut arriver à avoir à nouveau des résultats. Parce que bien sûr qu'on veut des meilleurs résultats, mais le changement n'est pas forcément de changer c'est pas ceux qu'on est en échec depuis 2-3 ans, qu'il faut oublier ce qui a marché. Donc pour l'instant, je trouve qu'on ne comprend pas trop. La stratégie de long terme, est-ce qu'ils sont là pour gérer en direct à un moment donné, mais ils se laissent du temps pour mieux comprendre les choses avant de placer son équipe? Est-ce qu'il est là simplement pour quelques années et revendre en espérant une plus-value? On ne comprend pas pour l'instant finalement l'intérêt, avec en plus une composition autour de John Textor qui est très multiple. Il y a beaucoup de propriétaires, d'enjeux, donc c'est très compliqué. D'ailleurs, la vente avait pris des semaines et des semaines de retard pour aboutir. Après, quand on se compare à Paris, qui est lié aux Qataris, et on ne sait pas combien de temps ça va durer, à Monaco, c'est les Russes, on n'est pas plus mal avec des Américains. Voilà, mais je préférais la situation d'il y a 10 ans quand même. Hashtag TKGreg.DG. Nico, toi, même son cloche de ton côté, tu te dis. Aujourd'hui, c'est pas clair puisque ça communique pas. Il n'y a pas de projet à court, moyen, long terme. Il n'y a pas de pourquoi ils ont racheté l'OL, sportivement, je parle. Après, financièrement, bien sûr, il y a un stade, on est propriétaire du stade. Il y a l'OL Valley avec tout, les ventes additionnelles qui peuvent apporter de l'argent. Tout ça, je le comprends, l'aspect économique. Mais il ne faut pas oublier qu'avant d'être un centre de divertissement, l'Olympique Lyonnais, c'est d'abord un club de foot. Et si le club de foot n'a pas de résultat, tout l'aspect économique autour ne vivra pas. Donc il faut remettre l'église au milieu du village, ou les as à leur place, et faire en sorte que cette équipe, ce club de l'OL, retrouve les premiers rôles aussi bien en championnat de France qu'en Coupe d'Europe. C'est ce qui a fait que. Il ne faut pas oublier que c'est la série de 7 titres de champion et les gros matchs de Ligue des Champions qui ont fait qu'aujourd'hui, on a pu construire un stade comme ça. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le gros stade, parce que Gerland, même si on avait de la vraie nostalgie, même si moi j'ai de la vraie nostalgie avec Gerland, parce que j'y ai vécu mes plus belles émotions, mais ce n'est pas avec Gerland qu'on a construit ça. C'est avec les victoires à Gerland qu'on a construit l'écosystème actuel de l'OL. Il y a 69 qui nous dit le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'exigence. Pas acheter n'importe qui et n'importe quoi. Pas surpayer des Boateng ou des Dembélé. Remettre l'institution. Non, et puis en plus, on a le problème avec tous les joueurs qu'on a prêtés, les Fèves, Reine de Delaide, qu'on a payé très cher, il y a Toko et Kambi. Donc en plus, on a plein de joueurs en prêt dont on ne veut pas forcément récupérer, qu'il va falloir gérer à l'intersaison. Et donc ça ne va pas être simple. En tout cas, John Textor, quand même, parce que voilà, le milieu du football est un petit milieu, il échange pas mal avec des gens, notamment en Angleterre. Il dit qu'il a envie de vraiment changer, notamment la cellule de recrutement. On sait que Bruno Chéroux, quoi qu'on a pu lire ici, à droite ou à gauche, il est quand même sur la sellette. Il a agacé pas mal John Textor. Et sauf que John Textor, il ne veut pas non plus se mettre à dos Jean-Michel Aulas. Donc il essaye, entre guillemets, d'arrondir les angles, comme on dit. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas peur, Nico, que ça pète, justement, peut-être? Est-ce que ce serait pas un mal pour un bien, comme dans un vestiaire? Les choses cachent. Bah, souvent, c'est ce qu'on dit. À un moment donné, avoir un discours franc et entier, mais pour la bonne cause, c'est-à-dire que c'est pour l'objectif commun. C'est pas pour le prêcher pour sa paroisse. C'est vraiment pour, dans l'intérêt supérieur de l'OL. Bah, si ça doit péter, que ça pète, mais que ça débouche sur quelque chose de constructif.
Il y en a marre des discours stériles où on essaye de nous vendre, où on essaye de nous faire passer. Ménager la chèvre, le chat. Bah oui, des vessies pour des lanternes ou tout ce que tu veux. Enfin, à un moment donné, on peut plus mentir aux gens. Et avec toute la somme d'informations qu'on a, avec tout ça multiplié par la passion. De l'amour qu'on a pour ce club fait qu'à un moment donné on a vraiment l'impression d'être pris pour des cons. En fait, on a l'impression qu'ils nous respectent pas l'intelligence des supporters et des gens qui aiment ce club. Dites-nous les choses, on est capable de les entendre. Et si vous êtes pas, et si à un moment donné il faut aussi assumer aussi bien ses responsabilités, parce que assumer les victoires c'est une chose, assumer sa médiocrité, même si quand on a été tout en haut par moment on peut faire des mauvais choix qui nous amènent à la médiocrité, il faut aussi savoir l'assumer. Et c'est là où, quand on est en haut de l'affiche, c'est compliqué à un moment donné de se remettre en question. Mais à part que seule la remise en question va faire en sorte que l'OL gagne de nouveau. C'est intéressant, ça. C'est même pas là pour les politiques, mais on n'est pas là pour parler de politique. Non, on n'est pas là pour parler de politique. Façon, mais paradoxalement, le recrutement cette année, par rapport au coût mis sur la table, il n'est pas mauvais. On a eu des grosses erreurs de recrutement les années précédentes, mais cette année, honnêtement, c'est loin d'être la pire en termes de recrutement. Lacazette, on ne peut pas dire que ça soit un mauvais choix. Lorbray non plus, Tagliafico, même le Penant, voilà, je sais pas. Koumbédi, ouais. Ça c'est des bonnes. Tous les jeunes en plus. Non mais il y a eu des bonnes pioches pour le coup. Ce qu'on pourrait reprocher à Chéroux, c'est ses déclarations sur le recrutement de Marseille l'été dernier, en expliquant que nous on avait réussi et que Marseille s'était planté. Il aurait pu se le reprendre, retour de manivelle. Mais en fait, c'est plus aujourd'hui. Effectivement, ce n'est pas des mauvais recrutements, mais Lacazette, même s'il met 20 buts, ce n'est pas le Lacazette qu'on a connu il y a 5 ans en arrière. On avait Memphis, et pourtant Dieu sait que je l'ai un peu critiqué parce qu'il jouait quand il avait décidé, mais quand il avait décidé, il était vraiment performant. Paqueta, on n'a plus ce joueur Fury Class, comme ils disent. On n'a plus les meilleurs joueurs d'Europe. Voilà, exactement. Les mecs qui vont faire la différence. Un Juni qui va mettre un coup franc, ou un Karim Benzema, même s'il était en post-formation et qu'il était jeune. Il marquait, il faisait la différence. On faisait peur. Aujourd'hui, on joue contre l'OL, on fait plus peur. Mais c'est la première fois qu'on n'avait aucun joueur de l'équipe de France en Coupe du Monde et qu'on avait quasiment aucun joueur en Coupe du Monde. C'est ça. Là, on avait Toko Ekambi et Tagliafico. Tagliafico. Voilà, donc un champion du monde. On a encore un champion du monde. Voilà, quand même. Ça fait quand même que deux joueurs qui font une Coupe du Monde. Enfin, c'est là, ça. On voit le déclassement. Mais voilà, on est plus. C'est pour ça que même en recrutant des Tolisso, champion du monde, ou Lacazette qui a joué Arsenal et tout ça, ils sont en fin de parcours. Ils sont pas finis, comme il a pu le dire dans une interview à Téléfoot. On pensait pas qu'il était fini. On pense juste qu'il est en fin de carrière. Et t'as pas les mêmes performances à 25 ans qu'à 31 ou 32. À part Karim Benzema, mais là c'est l'eau du panier. Au-delà des hommes, justement, il faut peut-être revoir la cellule de recrutement. Ça, chaque fois on le dit. Et en tout cas, c'est une volonté de John Textor. Hein. Lui-même a été surpris par rapport. Si celui qui paye a ces envies-là, il y a pas de raison que ça change pas, parce que général, c'est celui qui paye qui décide. Donc il doit foncer, John Textor. Il doit aller voir Jean-Michel Aulas, se dire ça suffit maintenant, on y va. Il faut changer. Je ne sais pas s'il faut tout révolutionner. En tout cas, il faut apporter de la nouveauté. Il faut apporter une nouvelle manière, un nouveau prisme, un nouvel angle, un nouveau rapport aux choses. Mais je pense que c'est un peu comme, c'est un peu comme en politique, en fait. On a des habitudes, il y a des choses qui fonctionnent, ok. Mais les choses où on est un peu plus défaillant, où il y a des axes d'amélioration, eh ben pourquoi pas tenter de nouvelles choses, parce que c'est par ça que le renouveau naîtra. Et c'est un peu comme en politique. Même si c'est un travail collégial, il faut qu'il y ait un patron. Il faut exactement, qu'il y ait un patron. Donc soit c'est Jean-Michel Aulas, parce qu'il reste 2 ans et demi, et il a prouvé beaucoup de choses. Et donc moi, je crois qu'il est en mesure d'arriver à relever le club. Sauf qu'en revanche, c'est pas chose, lui. Mais on obtiendra les mêmes résultats. Oui, bon, on a fait tellement de choses. On a été 7 fois champion de France. On a encore 8 titres de champion avec les filles. Les titres avec les filles, c'est récent. Enfin, les filles, ils ont les garçons, ça remonte. On dirait oui, c'est mais pas après, toi, là. on a eu le PSG et Qatari. À l'époque, ils auraient fait ça quand on a eu notre 7 titres. On n'aurait pas eu 7 titres de champion déjà à l'époque. On a payé le stade aussi. Enfin, il y a aussi des réalités qui font que dans le modèle économique. Sauf qu'entre-temps, il y en a d'autres qui ont été champions. Bordeaux, Montpellier. Oui. Enfin, il y en a pas beaucoup, mais oui. Mais bien sûr qu'on aurait pu faire mieux. On aurait dû faire mieux. Mais il faut regarder aussi sur le temps, quoi. Voilà. On parlait des filles, justement. L'OL féminin en vente. Toi qui es un supporter, justement, de l'OL féminin. Et pas que, d'ailleurs. Mais... Pardon ? Et pas que.
De quoi? Bah, le centre de formation, enfin il y a pas, on est en train de. Bah, là, c'est beaucoup, l'OL féminin, oui, par rapport ça, à. C'est officiel. Par rapport à Michel Kang. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont en vente à la découpe. Ça pose question quand même. Ça pose question effectivement, mais pour justement revenir pas tout de suite, Nico, mais pour revenir sur l'OL féminin, est-ce que tu es inquiet toi par rapport à ça? Bien sûr que je suis inquiet. D'abord, on n'a pas tout compris sur la communication. Ils ont commencé par les mentir, puis finalement expliquer c'est vous avez pas bien compris, puis finalement c'est à peu près ça quand même. On garde 48%. Donc bien sûr que je suis inquiet parce que. On a une équipe de filles magnifique, la meilleure du monde, 8 titres de championne d'Europe. Là, si on ne se fait pas voler à Chelsea, on est encore bien parti pour gagner la Coupe d'Europe. Et donc, expliquer qu'on ne va plus avoir le même patron chez les garçons que chez les filles, c'est ça que ça veut dire, c'est plus le même actionnaire principal, c'est quelque part une séparation. Et ce ne peut être qu'inquiet, parce que je trouve que ça affaiblir quand même l'OL, le club, de se séparer. Et je n'ai pas compris les enjeux financiers qu'il y avait derrière pour l'instant. Qu'est-ce que va gagner de plus cette équipe qui est déjà merveilleuse? Alors même si en Angleterre, notamment, il y a une grosse poussée financière des filles, mais on a quand même quelques atouts. Donc pour l'instant, je ne comprends pas et je suis un peu inquiet. Oui. Michel Kang, effectivement, qui normalement à partir du 30 juin, va détenir 52% des parts de l'OL féminin parce qu'elle est déjà propriétaire d'un club aux États-Unis, Washington Spirit. Ouais, on sait que les filles coûtent cher au club. Elles ont des belles conditions, elles ont des beaux salaires, mais elles le méritent par leurs résultats. Elles ont été le chercher par leurs performances. Et pendant un temps, l'OL a eu la meilleure équipe du monde. Là, elles sont un peu plus en difficulté parce que les autres clubs travaillent, les autres clubs mettent des moyens pour pouvoir attirer de belles joueuses. Mais oui, c'est ce côté. On avait une holding OL Group qui détenait la totalité des actifs de l'OL. Et là, ça commence à être morcelé. Et voilà. Qu'est-ce que tout ça va devenir? Effectivement, ça. Je ne sais pas si ça pose problème, mais en tout cas, aujourd'hui, ça m'interroge. Et le foot féminin fonctionne quand même de mieux en mieux à la télé. Donc peut-être aussi qu'il y a des futures recettes de droits télé et que ça peut aider au modèle économique. Et donc je pense quand même que c'est bien de garder ce lien entre les deux équipes, y compris si l'OL Group finance un peu plus les filles, qui est peut-être plus difficile en termes de déficit. Mais il y a une telle satisfaction sportive qu'à un moment donné, c'est merveilleux. Après, on est dans les vases communicants. Enfin, les recettes de l'un vont compenser le déficit de l'autre, et ainsi de suite. Il y a des postes de dépenses, il y a des postes de profit. Puis des intérêts. Parce que si John Textor n'est pas intéressé par la section féminine, mais uniquement par l'équipe masculine et l'académie, et qu'il a trouvé sa voisine pour pouvoir racheter l'OL féminin, mais c'est un peu ça, ça reste du business, messieurs, non? Oui, pour lui, ça reste du business. Ouais. Et c'est inquiétant. Voilà, c'est ça. Pas pour nous, mais après, si on avait les moyens, on aurait racheté à sa place. Mais peut-être que Bruno Bernard va intervenir, Bruno. Bruno, non, je ne sais pas ce que je peux faire. Il faut respecter le privé. Le privé choisit. Voilà, quand on paye, on décide, et donc ceux qui payent décident. C'est assez sain comme modèle. C'est effectivement. Antoine qui nous dit le club se sépare de son identité petit à petit. Le stade, le club féminin. Même si je ne le suivais pas plus que ça, renie ses anciens, trois petits points inquiétants. Attention à ça, même si John Textor a parlé quand même d'identité. Oui, il faut garder l'identité, il faut garder ce qui a marché. Encore une fois, il faut faire un audit sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionne moins bien. Les filles, ça fonctionne. Le centre de formation, ça fonctionne. Et vouloir se séparer des bijoux de famille, c'est jamais bon. Enfin, c'est jamais bon signe en plus de ça. Il y a beaucoup d'anciens joueurs au club qui continuent à arriver. Sonny Anderson qui est revenu, il y en a dans les entraîneurs des équipes jeunes. Donc il y a quand même une volonté de garder l'histoire du club, avec un musée d'ailleurs qui est magnifique du club. Donc je pense vraiment que non, je pense qu'il y a cette volonté, en tout cas tant que Jean-Michel Aulas est là, de garder cette histoire du club et le lien avec les anciens. On remercie Jérémy qui nous dit n'oubliez pas de liker la vidéo, effectivement, liker, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'olympiqueetlyonnais.com. Donc Bernard, il faut s'abonner. Hein. Le téléphone, tac, bah, voilà. Je vais faire, en tant que fidèle de l'Olympique Lyonnais. Et puis on a Space qui nous dit, première réelle action de Textor, vendre un gros actif de l'OL. Voilà, effectivement, pour l'instant, par rapport au signal envoyé. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si les filles sont un gros actif de l'OL, mais en tout cas, ils se séparent d'un poste de dépense. En termes d'image, je veux dire, c'est-à-dire que là, si tu... bon, à voir. Après, tout dépend de ce que tu appelles actif. Tout est relatif, Nico, à chaque fois. Moi, je préfère vendre Mal Augusto que l'équipe des filles. Ça, c'est dit. Et bien, justement... Alors, il y a même un thème. Alors, il y a un thème. Alors, je ne sais pas s'il y a thème. C'est le cousin, si c'est je ne sais pas qui de Bruno Bernard. Il dit président de l'OL, carrément, un thème. Il dit Bruno Bernard, président de l'OL. Alors ouais, mais ce sera avec grand plaisir, mais je n'ai pas les moyens. Et justement, on va parler de Bruno Bernard.
hein, parce qu'on voilà, on va essayer de savoir un peu sa passion pour le foot, son parcours un petit peu. C'est le dernier thème du TKYDG. Bruno Bernard, c'est qui, c'est quoi justement ta passion pour le football, pour l'Olympique Lyonnais? Ça remonte à quand? Début de l'année 80, à 10-11 ans, où j'ai commencé à aller voir l'OL et je ne suis pas vraiment arrêté depuis de suivre et de regarder les matchs de Lyon. Donc c'était notamment la première saison que j'ai été au stade quasiment tous les matchs, en 82-83, qui était une année de descente en deuxième division. Et j'ai connu notamment les 7 ans de Division 2 qui était très dur. D'ailleurs, pour les supporters actuels, ils ne se souviennent pas, mais on a quand même fait 7 ans de Division 2 où on perdait en plus en barrage. Il y avait des barrages à la fin et on perdait sur un match la saison. Enfin, des choses assez dures, ce qui permet de relativiser les choses. Et voilà, donc ça fait longtemps que je regarde l'OL à Gerland, puis maintenant à Décines. Ouais, Nico, tu dis souvent ça d'ailleurs. Pour les jeunes qui nous regardent, parce qu'on parlait de Twitch. Pour savoir d'où on vient, ils n'ont pas connu. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Mm-hmm. Et moi, je suis un peu plus jeune que Bruno, mais mon grand-père m'a emmené quand j'avais l'âge de 5 ans à Gerland en plein match de Ligue 2 où le stade sonnait creux. On était peu nombreux à cette époque-là, on était 5-6 000 à aller voir l'OL, peut-être 7, mais voilà, et c'était pas les grandes ferveurs des gros matchs de Ligue des Champions à Gerland. Donc le club est passé par là pour devenir ce qu'il est, la vraie institution qu'il est devenu aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Et même aujourd'hui où ça va pas, hier il y avait 57 000 spectateurs au stade. Ouais. Voilà, enfin, donc ça relativise les choses. C'est ça. On a construit ça petit à petit grâce aux victoires. L'amour de l'OL passe par des émotions qu'on a pu vivre au stade, même en Ligue 2. Accro, vraiment, vraiment, très accro. On regarde les résultats sur le téléphone. Non, mais je regarde les matchs normalement. Et normalement, on ne me met pas de meeting de campagne pendant un match. Mes équipes, on se débrouille. C'est rare. Bon, je suis parfois obligé de faire une exception ou deux, mais normalement, on ne me met rien pendant un match de l'OL. Ouais. Et est-ce que tu as déjà fait des déplacements? Ouais, j'en ai fait quelques-uns. L'année passée, j'ai découvert le Stade Bollard, une ambiance magnifique. Où on a fait un match nul. Paris, j'y suis quelques fois. Je fais le Marseille, la dernière victoire qu'on a faite à Marseille, où leur a mis une tôle. Là, c'était 3-0, je crois. Mais là, c'était vraiment un vrai plaisir. J'étais allé à Lille l'année d'avant. Et là, je vais peut-être aller à Clermont dans deux semaines. Je suis en train de regarder pour découvrir le stade que je ne connais pas. Et comment c'est perçu, justement, par le milieu politique, ta passion pour l'OL? Il y a quand même beaucoup de politiques qui aiment le foot, hein, même chez les Verts, c'est le cas par exemple de Yannick Jadot. Ouais. Voilà, après comment c'est perçu, je m'en fous un peu, quoi. Hein, Parce que Bruno, entre nous, il y en a certains qui font semblant. Là, on les sait. Les intellectuels. Voilà, intellectuels qui font semblant. Ne pas se mélanger avec la populace du foot. On en a vu, hein. Moi, j'ai pas trop parlé de boycott, j'ai dit que je financerais pas d'action sur la Coupe du Monde, mais de toute façon, on n'avait pas pris de le faire. Mais je savais que j'allais regarder les matchs, donc je n'allais pas dire le contraire. Ouais. Donc, tu assumes à 100%. Je suis aussi chef d'entreprise, donc j'ai d'autres particularités qui fait que je sors un peu parfois du modèle écolo traditionnel français. Voilà. Est-ce que c'est compatible avec justement tes idéaux politiques? Mais je vois pas pourquoi ça serait pas compatible d'aimer le foot. Le business, tout ça. Moi, je suis chef d'entreprise, donc j'aime le business. Ouais. Voilà. Après, ouais, il faut respecter les règles, il faut payer des impôts. Mais moi, quand quelqu'un gagne de l'argent, je dis bravo. Je veux juste qu'il paye ses impôts derrière et peut-être qu'on les augmente un peu. Mais tant mieux, plus il y a de business, plus on peut faire des politiques solidaires. La période que tu as après, peut-être qu'on, c'est peut-être évident, mais la période que tu as préféré, que tu as le plus aimé concernant l'Olympique Lyonnais? Non, il y en a beaucoup. La première année de Division 2, par exemple, 83-84, où on lance plein de jeunes. On fait notamment un 8e ou un 6e de finale de Coupe de France contre le champion de France Nantes, 0-0 à l'aller. On fait 4-4 au retour dans un match magnifique à Gerland. C'était un match super. La période Domenech avec la montée et les premières années, c'était aussi une période sympa. On avait pris d'ailleurs 4-1 contre Marseille, premier match en D1 en remontant. Donc, ça relativise. Et puis, il n'y avait pas eu photo ce jour-là, bien pire qu'hier soir. La période Tigana était super. Ouais. On avait un jeu avec Amoros, Gava, Maurice. Ouais. Au plaisir. Hein. Je me souviens du jeu. On n'a rien gagné avec Tigana. Deuxième. Voilà, mais on avait un super jeu. C'était un Nantes en plus imbattable. Hein. Et puis les années du titre, avec particulièrement les années houillées, où là on avait en effet une équipe qui était une des meilleures d'Europe, extraordinaire, un milieu de terrain que personne n'a eu en France peut-être depuis. N'hésitez pas, hashtag TKYDG, si vous souhaitez poser des questions à Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, fervent supporter de l'Olympique lyonnais, ton joueur préféré.
Bruno? Et j'en ai plus trop actuellement. À l'époque. Avant, j'aimais bien les Nantais, Maxime Bossis par exemple. J'ai beaucoup aimé Maxime Bossis. Et puis à l'OL, souvent c'est les jeunes du club, donc ça change parce que mon œil part. Mais j'aime encore beaucoup Karim Benzema, voilà, par exemple, qui est un super joueur. Et puis il y a du ballon, il y a le collectif, ça raconte quelque chose. Il y a de l'altruisme, c'est sûr, voilà. C'est tourné vers les autres. Et encore aujourd'hui, ouais. Carlo Ancelotti loue son côté altruiste. Je préfère le jeu de Benzema à celui de Mbappé, qui est super bon par ailleurs, qui fera peut-être une carrière aussi bonne ou meilleure, mais c'est pas pareil. T'es vraiment très attaché à cette identité club et lyonnaise. À la formation lyonnaise, ouais. Et donc, c'est pour ça que je suis très à l'aise, malgré les mauvais résultats actuels, le fait qu'on ait remis des jeunes. Moi, quand il y a 6-7 jeunes du club. Ça te plaît, ça? Sur le terrain, ça me plaît. Je préfère des résultats moyens avec eux que des résultats même légèrement meilleurs avec une équipe qui. Mais quand beaucoup de supporters, en fait. Qui rapporte rien. Où tu places ton prisme. Et ça manque un peu d'émotion, quand même. C'est ça le match d'hier. C'est que j'aimerais qu'on joue un peu plus au ballon. Je partage les émotions, je partage le côté jeunisme, on va dire, du centre de formation. Après, j'ai mon côté compétiteur qui veut voir l'OL en haut, comme j'ai pu le vivre. Moi, j'étais au bon endroit au bon moment, encore une fois. Donc, j'ai vécu ces périodes-là, fast. Mais effectivement, on aime toujours voir gagner l'OL. Voir gagner l'OL avec des jeunes, c'est encore mieux, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est toujours cette problématique de se dire, effectivement, des jeunes. Mais ces jeunes doivent permettre à l'OL de retrouver son lustre d'antan. Et Nico, des fois, dit sur ce plateau, oui, attention, petit bémol, s'il n'y a que des jeunes, c'est pas évident pour triompher. Je ne suis pas sûr que Luqueba soit moins fort qu'Umtiti s'il a des bons joueurs autour de lui. Ah, peut-être qu'on verra, l'avenir nous le dira, mais il part pas de rien. C'est même un joueur qui est présent. On partage l'idée, c'est qu'en fait, les tauliers qui sont autour, comme pouvait l'être Franck Gava, Manuel Amoros, ou Pelé à l'époque, qui était Abedi Pelé. Qui était à l'OL. Oui, t'as bien fait préciser. Préciser, c'est quand même, il devient fou, lui. Il a bu, Nico. Accompagner les jeunes de l'OL dans leur progression. Et on a pu voir arriver aussi des Ludovic Giuli à l'époque qui s'est collé à tout ça. C'est un juste équilibre. Et c'est là où la cellule de recrutement et où la vision sportive, en fait. La vision du vrai directeur sportif de l'OL doit se faire sur plusieurs années. On est toujours trop optimiste à un an par rapport aux résultats qu'on peut obtenir dans les 5 prochaines années. Il faut construire. Et c'est l'arrivée de Sonny Anderson qui nous fait passer le dernier cap vers le titre. Donc, mais on avait construit. Voilà, on avait construit et ça se reconstruit. Donc le problème depuis 2-3 ans, c'est qu'on n'a pas la pression d'avoir avancé. Donc c'est pour ça que depuis 2-3 mois, je trouve qu'on avance. Donc c'est à confirmer, mais je trouve qu'il y a une base plus que l'année passée, par exemple. Ou du début à la fin de la saison, il y avait quand même pas grand-chose. S'ennuyer, oui. Même si on connaît la réponse, forcément, Bruno, l'OL, c'est à la vie, à la mort. Ça veut dire que même si l'OL descend, ou si l'OL, il est en Ligue 2 en 83. tu seras toujours supporter, tu seras toujours présent. Tout à fait, même quand on perd contre Marseille. Voilà, exactement. Voilà, c'était un peu le mot de la fin. Et il y a Tommy qui nous dit, il est bon, ce Bernard. Voilà. Eh oui. Merci. Comme quoi, parler de ballon, des fois, c'est un peu préférable que d'être sur un plateau... pour parler politique, n'est-ce pas Nico, plus de bois. En tout cas, il a maîtrisé son sujet. Il a vraiment maîtrisé son sujet, c'est pour ça qu'on l'a invité. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pas lundi prochain. C'est mardi prochain, parce que c'est férié lundi prochain, Nico. Effectivement. Donne ton jour férié quand même. Merci, Razi. Voilà, faut respecter quand même le droit du travail. Monsieur est trop bon. Monsieur est trop bon. 1er mai. Il fait du travail. Surtout le 1er mai. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc mardi prochain pour un nouveau numéro de Tankard et Gagne.